Tout ce que tu vis là, tout ce que tu vis tous les jours, à la fin de la journée, les relations, les discussions, les rencontres, à la fin de la journée, il s'agit de savoir qui tu es. C'est pas si tant important l'autre. L'autre, il a sa vie. Mais à travers toutes ces rencontres, toutes ces discussions, toutes ces échanges, on apprend à se connaître. Et ça, c'est crucial, c'est vital. Donc, si tu donnes de l'importance à l'autre, tu n'es plus sur ce que tu es. À l'intérieur. Donc tu quittes l'intérieur pour aller vers l'extérieur en attendant que quelque chose pourrait arriver. Mais rien n'arrive à partir de l'extérieur. Tout se passe en soi. La connaissance est là. Tout ce qui se joue, tout ce qui se meut est à comprendre. Mais si tu restes avec ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est-à-dire toutes ces relations, toutes ces choses que tu fais tous les jours, ça se passe à l'extérieur. Et si tu n'as pas contact avec cet intérieur-là, alors tu restes superficiel. La superficialité, c'est au-delà de la profondeur. Quand il y a la superficialité, c'est parce que on reste cloîtré dans ce que on connaît déjà. Et ce qu'on connaît est rassurant, c'est-à-dire ce monde extérieur qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour être dans le confort, dans le réconfort. Et bien sûr, pour sortir de cette superficialité, il est nécessaire de s'investir dans quelque chose qui est inconnu. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de se connaître soi. Et cette chose, elle est incommensurable, elle est indisible. Mais le fait que tu plonges là-dedans, c'est plonger dans un univers qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc bien sûr, pour la plupart, on est attiré vers ce qui a un commencement et une fin. Parce que c'est comme ça qu'on a appris que les choses marchaient. Et dans cette configuration, ayant un commencement et une fin, il y a aussi l'angoisse, la peur que tout finit. Alors que cela n'est qu'une émanation de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce qu'il y a à l'intérieur est infini. Ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Donc si tu touches à cette chose sacrée qui est en soi, c'est-à-dire qu'on appelle le mouvement psychologique interne, qui est justement une profondeur sans fin, la conscience, ce qu'il y a pour de vrai, ce qui est vivant pour de vrai, alors on touche à un domaine qui est pour la plupart d'entre nous inconnu, mal connu. Parce que pour aller là, il faut se dépouiller de tout ce qui a été connu. Parce que pour entrer là-dedans, il faut être vidé, il faut être nettoyé de tout le passé, de toutes les conclusions, de toutes les illusions, de toutes les envies, les peurs, les angoisses, pour être libre. Pour pouvoir aller là où tout se passe pour de vrai. Autrement, le commencement a une fin, et dans ce lap, on vit dans une vie de temps où on est né et on meurt. Et ça, c'est la seule chose qu'on connaît.
on s'appuie là-dessus. On s'appuie là-dessus et on forme notre existence là-dessus. Et comment on l'a formée? Eh bien, on a voulu faire de ces moments-là des moments qui se répètent, parce que comme on a peur de la fin, donc on voudrait garder ce qui est vécu dans le maintenant. Donc on vit les joies et on voudrait les garder. Et on les répète, comme si c'était possible. Or, la joie ne se répète pas. La joie, c'est quelque chose qui vient d'instant en instant, sans jamais vieillir. En elle, il n'y a pas le temps. Le temps pour la joie n'existe pas. La joie, c'est quelque chose qui coule toujours dans un moment fatidique, là où tu respires, là, maintenant. Jamais autrement. Tu ne peux pas le reproduire. C'est impossible. Tu peux t'en rappeler. Et quand tu t'en rappelles, alors ça te réconforte de savoir qu'il y a ça. Et cela, tu le gardes comme une image, un concept, et tu veux le reproduire. Parce que l'immensité, justement, cette profondeur dans laquelle on peut accéder à partir d'une attention profonde de ce que tu vis, pour pouvoir sortir de la superficialité de l'être qui est en place, c'est-à-dire ce que tu vis, c'est toute l'apparence qu'il y a autour de toi, et tu t'identifies à l'apparence. Mais ça, c'est pas toi. Toi se trouve bien au-delà de toute cette dimension fébrile qui continue à se répéter tout le temps de la même manière. Soit c'est là où rien ne meurt. Tout est vivant. Il y a un aspect de la vie qui se joue là. Et ça se passe à l'intérieur de toi. Quand tu commences à te découvrir, tu vas voir que tu découvres en fait l'univers. L'univers, tout. Tout ce qui est. Parce que tu es ça. Tu es l'univers. Et quand tu es dans la superficialité, avec un commencement et une fin, qui implique le temps, alors tu ne découvres que une vision, une image de ce qui devrait y avoir. Puisque tu as appris, en répétant les choses, que tout ça, ça devrait exister. Et tu les répètes, mais quand tu les répètes, eh ben, elles ne sont pas authentiques, elles ne sont pas vraies. Ce n'est pas une réalité vraie. C'est quelque chose que tu as ramené sur le tapis, tu as remis sur le tapis pour pouvoir l'exploiter. Et c'est ce qui se passe avec la plupart d'entre nous. On veut exploiter hier, un vécu d'hier, qu'on répète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre avec les mêmes personnes ou sortir de ton endroit où tu es habitué, ta chambre, tout ça. Ça veut dire tout simplement ne pas s'attacher à ça et de faire en sorte que quand tu restes conscient, alors à chaque instant, tout est neuf. Il n'y a rien de vieux. Tu ne t'attaches pas à ce qu'il y a de vieux. Tu oublies, tu laisses tomber, tu vis avec l'intérieur. Tu ne vis plus avec l'extérieur. L'extérieur n'a plus d'importance pour toi. C'est-à-dire ce que le monde pourvoit. Il n'y a plus d'importance. Parce que toute l'importance est là, en soi. Et ce que tu es, est ce vivant. Et ce vivant, c'est la seule faculté qu'on a pour pouvoir être, pas devenir, être. C'est quelque chose qui se passe toujours dans un instant fatidique qui coule sans jamais, jamais ramener le passé avec. Tout est là.
d'instant en instant. Et tout coule. Il n'y a rien qui peut être pris. Tout est neuf de chaque instant. Et ce moment où tu vis comme ça, tu oublies hier, parce que si tu ramènes hier avec toi, tu auras la tête encombrée de passé, de pensée, de conclusion. Et à ce moment-là, tu ne peux pas découvrir ce qui est neuf. C'est ça la faculté de l'esprit, de pouvoir rencontrer à chaque instant du neuf. Quelque chose qui nous donne un moment où tout est vécu sans lendemain. C'est-à-dire une grande liberté de ce qui fut. Parce que si tu gardes ce qui fut, alors tu es encombré. Et tu ne peux pas faire en sorte que tu puisses accueillir ce qui est neuf. Parce que tu es déjà encombré. L'esprit s'encombre. L'espace vital que tu as besoin pour opérer, c'est-à-dire ce silence, cet espace où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'illusion. Si elle est vidée de tout ça, c'est-à-dire de la pensée, de ton passé, de tout ce que tu connais, c'est ça. Vidée de tout ça, alors tu es pur. Il y a un sacré qui est là. Et dans cette pureté, tu fonctionnes. Tu fonctionnes avec le silence. C'est-à-dire, ce fonctionnement, c'est quelque chose qui est presque en repos total. Comme, mais dans l'apparence, ça peut être un repos. Mais c'est quelque chose de vivant. Ça ronfle, avec un ronflement qui est uniforme, qui n'a pas de couac dedans. Tout se joue là, dans cette vie qui se joue. Tout se passe là. Parce qu'il n'y a rien qui est fait. Parce que la pensée ne peut pas faire à ce moment-là ce que tu es et libérer de la pensée. Donc, il te faut cette liberté pour pouvoir être en connexion avec cette chose qui est immuable, mais qui est vivant. Ce rien-là, cet espace de néant, c'est vivant. Il y a quelque chose qui se passe. Tu vois? Et tout ça, c'est la vie. C'est la vie qui se joue là. La créativité, la joie, l'esprit en paix, l'esprit en harmonie, l'esprit en ordre, qui n'est pas omnibulé par les idées, les envies, les projections. Tout arrive parce que tu laisse ces choses arriver sans les contredire par ce que la pensée propose. La pensée arrive toujours à te déstabiliser de ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui est tellement fragile que la moindre petite pensée, ça fait que tu reviens à l'intellect. Un intellect qui ne cesse jamais de jubiler, de contrôler, de vouloir avoir raison. Parce que l'intellect, c'est tout ce qu'on a conclu. Ce sont nos pensées, c'est l'environnement dans lequel on est. Toute cette superficialité qu'on a autour de nous, ça nous fait comprendre qu'il y a quelque chose là. Et ce qu'on comprend, c'est intellectuel. On dit ça, c'est le mur, ça, c'est la voiture, ça, c'est comme ça, comme ça. Il faut mettre ce fil ici et pas là-bas, tu vois.
Donc on a une certaine notion de ce qu'est la superficialité. Et la superficialité est limitée. Parce que il n'y a pas de profondeur dedans. C'est creux. Rien. Il n'y a rien. Donc, ce que tu es, c'est quelque chose qui n'est pas dans cet endroit-là, qui n'est pas active là. Elle est active seulement en dehors de toute la cohue. Et en dehors de la cohue, il y a un mouvement synchrone qui fait en sorte que les choses que tu vois ne sont plus perçues de la même manière. C'est-à-dire que tu ne dis pas « ça c'est un Américain, ça c'est un Chinois, ça c'est ma maison ». Il n'y a plus ça. Tu es déconnecté de cette superficialité. Tu es plus dans la profondeur où celui qui cause là, qui voudrait se faire valoir parce que c'est ma maison, tout ça, ou celui-là, là, il est absent en fait. Il n'y a pas la présence de ça. Cette présence de ça, c'est ce qu'on appelle moi. Tu sais, toutes les expériences que tu as eues, toutes les images que tu connais et que tu veux répéter. C'est ça qui existe. Cette répétition, elle revient. Et elle, justement, elle empêche le sacré d'être là. Ce que tu es pour de vrai. La vie, ce vivant, cette chose qui ne bouge pas, qui ne fait pas de heurts, qui est constant, sans heurts, immuable. Là-dedans, il y a le repos de l'esprit. L'esprit peut se reposer. Et un esprit au repos a la capacité d'agir en ne faisant rien. Parce que c'est ta nature. Ta nature, c'est l'ordre, la joie, la paix. C'est une nature que tu dois accueillir. Non. C'est ta nature que tu dois l'accueillir, mais pour l'accueillir, il faut être vidé de ce que tu penses être. Parce que ce que tu penses être est une fausseté de cette nature de toi. Ce que tu penses être. C'est, tu dis, je suis une femme, je suis un homme, je suis directeur, je suis américain. Ce que tu penses être n'est pas vrai. Ce que tu es, c'est au-delà de cette superficialité. C'est du sacré, du pur. Et dans cette pureté, il n'y a pas de heurts parce que rien n'est fait pour essayer de contrôler la superficialité qui t'a encombré. C'est-à-dire les pensées qui sont venues, les conclusions où tout le monde regarde midi à sa porte. Et jamais personne n'est d'accord dans cette superficialité. Seulement, on sera d'accord seulement quand on sera uni à l'essentiel, à ce qui est profond. Parce que ce qui est superficiel, c'est l'état qui a fait que chacun d'entre nous, on a ramené nos passés, et puis chacun regarde midi à sa porte, et puis on fait exister ça dans, à travers notre être. Et là, ce que tu vas faire passer, ce ne sera pas cet ordre, cet amour, dans cette approche où tu donnes, tu abandonnes ce que tu veux pour pouvoir en fait faire exister quelque chose de commun, quelque chose qui est profitable pour tous. Il n'y a plus moi qui est en demande. Ça, ça veut dire que tu laisses ta vie. Tu laisses, tu n'es plus accaparé par ce que tu veux. Parce qu'il est nécessaire pour toi. Tu n'es plus accaparé par ça.
à ce moment-là, tu es la vie. Si tu danses, c'est la vie qui danse. Il n'y a plus moi qui veux danser. Il y a juste la vie qui danse à travers toi. Parce qu'il n'y a plus celui qui veut. Et ça arrive parce que tu as laissé se mouvoir à travers toi cette immensité vivante. C'est elle qui vit. C'est elle qui fait les choses. Et il n'y a plus moi. Je veux rien, moi. Le moi est toujours en train de désirer, attendre. Et je veux ça tout le temps. Mais il n'y a plus ça. Il y a juste la vie. Et tu es ça. Combien grand est la joie d'un homme qui n'a plus besoin de rien faire pour être. C'est une joie que de ne plus avoir besoin de vouloir. Parce que toute cette procédure, ce personnage qui veut exister, elle empêche l'immensité d'être là. Et l'immensité, c'est l'immuable, le sacré que tu es. C'est quelque chose qui coule. Et si tu es silencieux, si tu n'as plus de pensée, c'est-à-dire si moi n'est pas là, il va exister. Mais si moi est là, cet espace où la vie traverse ton être sera encombré. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va traverser ton être sera bloqué par ce qui est déjà là. Et ce qui est déjà là, c'est celui qui veut exister à travers son bien-être. Donc, il ne veut pas vendre cette vie-là, il ne veut pas la laisser. Il dit ça, c'est ma vie, je la garde parce que ça lui donne la sécurité pour être ce qu'il est devenu. Donc on devient tous quelque chose qu'on a appris dans le passé, être bon pour soi. On est tout le temps à l'affût de quelque chose pour demain. Donc là, je suis en train de te dire tout ça. Si tu n'as plus ça, cette projection, cette effervescence pour quelque chose qui est en demande chez toi, ou chez un autre, cette chose qui est en demande, ne pas considérer ça. Ça veut dire que là, la vie que tu voudrais avoir, cette demande implicite pour avoir cette sensation de tout le bonheur que ça peut t'apporter, tu l'abandonnes. Et quand tu l'abandonnes, qu'est-ce qui te reste? Il te reste une action commune où tout est fait, non pas pour moi, mais pour l'humanité. Parce que l'humanité souffre. Si tu comprends la souffrance, si tu as vécu tes souffrances, tu ne veux pas que l'autre souffre. Tu le vois souffrir et tu dis, c'est dommage. Il est alcoolique, il est mesquin, il est méchant, il est assassin. Il y a une grande souffrance là-dedans. Cette mère qui a perdu tous ses enfants à cause d'une bombe qui est tombée dans sa maison, en Irak, là-bas, dans des pays où la guerre se meut, hein, il y a une grande souffrance. Personne ne veut ça. Donc on évite la souffrance. Et quand tu évites la souffrance, que tu ne vis pas la souffrance, alors tu ne sais pas ce que c'est la souffrance. Tu ne sais que protéger cette entité qui veut exister dans la vie qui se donne d'avoir. Mais cette vie que tu te donnes d'avoir n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que tu es libre d'être quelque chose d'immuable.
C'est ça. Et c'est la seule chose qui existe. Tout ce que tu peux faire valoir pour être n'a pas d'existence en vrai. Ce n'est qu'une projection que tu as faite, tu la projettes, tu le désires, tu fais tout pour être ce que tu aimerais, pour mettre les choses en place, pour avoir cette posture de toi-même, parce que tu t'habilles de cette telle manière, tu as telle réflexion, telle conclusion, telle tendance, donc tu t'arranges pour que tout ça soit présent là, et ça, c'est ta vie. Et là, on est en train de dire, abandonne ça. C'est ça qui doit mourir. Pour que tu puisses être la réalité de ce qu'il y a. La réalité, c'est l'incommensurable. C'est le grand vide, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas en demande pour moi. Il n'y a pas moi dedans. Parce que moi, c'est une activité égocentrique qui n'a pas de faim, parce que tu es tout le temps insatisfait. Il n'y a rien qui va faire en sorte que tu sois dans la joie totale. Et tu vois, dans ce monde, la joie, très peu ont la joie d'être. La joie d'être, tout simplement parce que tu es là. Parce que tu respires. Parce que le vent est passé, il y a une caresse qui est passée sur ton visage, comme ça. Et là, tu respires le moment où tout se fait. Il n'y a plus quelqu'un qui est là. Il y a juste une expression de ce que l'amour est, de ce que le sacré est. Parce que le sacré fait l'expérience avec tout ce qu'il est. Le sacré, c'est-à-dire ce vide, cet immuable que tu es, fait son expérience dans un monde et cette expérience crée autour d'elle, autour de lui, cette immensité, autour de cette immuabilité, crée, quand il fait l'expérience d'être là, alors il crée aussi ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est l'abondance de la paix, l'ordre. Il vient avec l'ordre. Il ne fait pas de quoi, qu'il ne veut rien, il n'attend rien. Donc il laisse les choses être. Et quand tu es comme ça, tu es un don pour l'humanité. Parce que tout le monde essaye de trouver une solution. Tout le monde veut contrôler. Tout le monde veut arrêter la guerre. Tout le monde veut. Et en faisant ça, allons, on n'est pas capable de rester en paix pour pouvoir faire en sorte que cette paix puisse émaner de toi et soulager l'humanité. C'est quand tu fais rien que tu n'embêtes plus personne. Tu peux prendre chacun autour de toi dans tes bras. L'aimer, tout simplement l'aimer, sans jamais rien lui demander. Parce que ce que tu aimes, c'est toi-même. L'autre, c'est toi-même. Donc, tu es concerné par la vie que tu mènes pour toi, pour pouvoir exister en tant que vrai, en tant que sacré. Et quand ça existe, ben, il n'y a plus de heurts entre tous les gens qui ne sont pas d'accord, qui regardent midi à leur porte. Aller là, c'est sortir de toute cette superficialité de la vie qu'on connaît. Malencontreusement, c'est ce que on connaît. On a été formaté pour être dans cette illusion qu'on est séparés les uns les autres. Et quand on est séparés les uns des autres, ben, il y a la division entre toi et moi,
entre ce que tu es et ce que je suis. Est-ce qu'on peut vivre alors sans division? Ça veut dire être ce qui est entier, être rien. Tu es rien. Et quand tu existes comme ça, alors tu ne fais plus rien qui fait que les choses seront perturbées. L'ordre alors sera, quand tu ne fais rien, l'ordre ne fait rien. Hehehehe